بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تقبل الله منا ومنكم الصيام. Toujours dans le cadre des émissions le Coran le jeûne du mois de Ramadan ou le mois de Ramadan dans le Coran pour nos chers téléspectateurs de Umma TV, nous poursuivons ensemble dans le Coran l'essence, les dimensions du jeûne. Bien sûr, souhaitant que et priant Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte notre jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset coranique, qui nous sommes toujours dans le premier verset coranique, même si l'explication n'est pas en fait totale, nous allons passer à un autre sens, un autre verset coranique, toujours dans le même premier verset coranique. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alladhina man qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit sur ceux qui vous ont précédés. Alors, kama kutiba alladhina man qablikum, ça a beaucoup de sens. D'abord, on se pose la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a émis cette précision? Pourquoi il a prescrit cette précision? Ô vous les croyants, jeûnez. Le jeûne, et c'est une obligation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que le jeûne, que l'obligation de jeûner, il a été déjà prescrit sur d'autres peuples, d'autres communautés, dans d'autres civilisations, dans d'autres religions. Ça a beaucoup de sens. On va essayer ensemble, bien sûr, de déchiffrer, d'expliquer, d'interpréter, sans que ce soit vraiment exégèse, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a précisé, nous a donné cette précision capitale, selon mon sens. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. D'abord, il n'y a pas de précision. Qui sont ces peuples, est-ce que c'était à tous les peuples, ou bien c'était à certains peuples, certaines communautés, certaines civilisations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé les gens à jeûner? En plus, on n'a pas beaucoup de détails sur comment ils jeûnaient. Est-ce que la nuit, le jour, quelques heures, toute la journée, un mois, deux mois, on ne sait pas. Il y a certains exégèses qui ont essayé, bien sûr, à leur manière, de trouver des traces. Mais le plus important, c'est que cette indication, d'abord, prouve que le jeûne des musulmans au XXIe siècle, il n'est pas nouveau. La tradition de jeûner, elle est très ancienne. Elle remonte à l'histoire. Et que nous sommes que le prolongement. S'il vous plaît, c'est pas la peine de vous étonner. C'est pas la peine de nous dire que on invente quelque chose de tout à fait nouvelle. Non, pas du tout. Le jeûne, il est connu par beaucoup de civilisations, par beaucoup de peuples, beaucoup de communautés. Et nous, en tant que musulmans, nous n'avons rien inventé. Il n'y a pas, c'est pas nouveau, jeûner. On se pose une autre question. Pourquoi? Quelle utilité? Non, il y a certainement une utilité. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait que tous les peuples, afin de l'adorer, doivent passer par le jeûne. Et là, on voit très bien la grandeur du jeûne, l'importance du jeûne dans l'acquisition d'abord du sens de l'adoration, l'importance du jeûne dans le renforcement des rapports entre le Créateur et la créature. Voici un des sens. Autre sens très important. Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, elle est universelle. Elle n'est pas nationale, elle n'est pas locale, elle n'est pas communautaire, elle est universelle. Le jeûne a été prescrit à toute l'humanité entière. Et je dirais même, que, comme l'a dit Hamidullah, la yarahmu, parce qu'il a fait une très très belle analyse, que les prescriptions adoratives en islam sont un prolongement parce que l'être humain, il est arrivé au stade de la maturation.
D'ailleurs, nous le savons très bien, même la prière dans l'histoire de l'ascension du prophète Ali salatu wasalam, elle était connue. C'est pour cette raison que nous, les musulmans, nous avons l'obligation d'abord de continuer, l'obligation de prolonger, l'obligation d'être fidèle à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout au niveau de l'humanité. On fait partie de l'humanité, on est l'humanité entière et nous avons cette obligation aussi et cette fierté, certainement, que nous, au niveau du jeûne, on n'est pas une exception de l'humanité, mais on fait partie de l'humanité. Autre chose importante, c'est que, vous savez, toutes les études archéologiques ont démontré que la religion n'a jamais été absente d'une civilisation. Et voici un texte qui prouve que, quel que soit l'éloignement, le rapprochement, quel que soit l'état de l'être humain en général, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, la religion ou la religiosité existait, elle existe, elle existera toujours. Chers téléspectateurs de Oma TV, vous voyez très bien qu'on essaie comme ça de donner quelques petites indications, et je crois que ce texte coranique, cette indication ne peut que renforcer notre conviction dans Allah subhanahu wa ta'ala et dans cette religion musulmane, qui, je rappelle, c'est une religion universelle. Elle n'est pas une propriété privée. On ne peut pas se l'approprier par une communauté. Non, elle est universelle parce que c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le grand, le législateur. C'est lui qui a décidé de jeûner et non pas une communauté. Ce n'est pas les Arabes qui ont décidé, ce n'est pas les Africains qui ont décidé, pas du tout. C'est Allah subhanahu qui est au-dessus de tout, parce que c'est le Créateur. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, as-siyama wal a'mal salihah. Et à demain, bi'idhnillahi ta'ala, pour une nouvelle inspiration, disons, une interprétation des versets coraniques sur le jeûne du mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.